Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi matin et là on est chez Au Vivre. On a décidé de faire un petit changement aujourd'hui. On s'est pris un BLT avec des patates. Un petit changement, ça fait du bien. Et de toute façon, ici, tout est bon. Tout est biologique, tout est végétalien. On commence la journée en douceur. Et après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Dehors, il fait super froid. Donc, j'avais le goût d'aller dehors un peu prendre des images, mais c'est tellement froid que je pense qu'on va retourner à la maison faire du ménage. En tout cas, on va voir. Alors, bon appétit. Et, qu'est-ce que t'en penses? Super bon. Très, très spécial. Il y a beaucoup de savoir. Le BLT, c'est délicieux. Bien. Mm-hmm. Et on a pris des patates. Des grosses patates grillées. Et bien sûr, un petit café. Un café latte. Délicieux déjeuner chez Au Vivre. Oui. Ouais. Encore une fois, je recommande. Le BLT était très délicieux, très léger. C'est le fun de sortir d'un restaurant et de ne pas être complètement plein, alourdi. On retourne donc à la maison pour l'instant. On va voir après-midi qu'est-ce qu'on veut faire. Mais là, on veut faire un peu de ménage à la maison. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vendre. Ça va être excitant quand même. Vamos! Yo quiero un perrito así todo chiquitito. Va a ponerle así boticas y saquitos. Mira esa coquería de perro. Tan divino. Tiene oh, patines. Que la vedette de Montréal. Oh my God, c'est bien. Il est peur, oui, par exemple. Oh. Oh, c'est super cool. Oui, je sais, tout le monde tombe sous son charme. Après presque 2 heures de ménage, on vient de terminer le salon. On a organisé notre aire de travail. Fou, c'était dû. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Là, c'est mieux organisé. On a jeté des choses, on a classé des choses. Je sais pourquoi je voulais pas le faire, c'est que c'était beaucoup d'énergie. Donc, c'est beaucoup d'énergie que je viens de mettre sur ça là, pour classer, penser les choses, tout bien passer les fils. Et là, ça nous permet de mieux penser aussi comment on va organiser le prochain appartement. On voit que un problème avec les fils, il y a trop de fils électriques. Il faut trouver un moyen de faire passer ça pour que ce soit plus beau et plus efficace. Là, on est un peu écœuré de ça. Là. On va sortir, on va aller chez Copper Branch, prendre un petit quelque chose à manger. Ça va nous faire du bien, ça va nous changer les idées. Un peu d'air, ça va faire du bien. Donc, suivez-nous, on s'en va chez Copper Branch. Ouf, c'est très libérateur de faire un tel ménage. Elle l'a demandé depuis un certain temps. Mais j'avais peur un peu, c'est une grosse demande d'énergie. La température s'est réchauffée un peu. Il fait beau, là. Ben bon, c'est froid, là. À comparer à ce matin, c'était vraiment intense. Donc là, aujourd'hui, je me permets de manger différemment. Donc, on va aller chez Copper Branch. Étant donné que notre déjeuner était presque cru, la moitié du déjeuner était cru ce matin. Donc, je ne me sentirais pas coupable d'aller vers quelque chose d'un peu plus cuit chez Copper Branch avant de recommencer la diète normale.
Et voilà, c'était délicieux. On ne pouvait pas parler beaucoup à l'intérieur, la musique était assez forte. Mais on s'est pris un Burger Galaxy et une petite poutine. Juste parfait, c'était pas trop. Avec une petite bière ici, c'est des bières biologiques. Ok, ici, juste à côté, il y a un autre petit magasin biologique. Donc, je pense qu'on va aller voir si on peut trouver des desserts pour ce soir. On va aller à l'extérieur pour ce soir. Gato portugués bio, gato zucchini, gato. Salut. Moi, je suis végétalien. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'œufs et pas de lait, comme lui, je veux que des œufs? En ce moment, j'ai des carrés aux dattes avec les biscuits aux dattes, biscuits aux figues. J'ai du pudding aussi dans le frigidaire. Sinon... Ça, c'est quoi ici? Elle est intéressée par ça. Ah, ça, c'est caramel de chocolat. Ça, c'est fait avec du lait? C'est végétarien. Oh. Toi, elle est végétarienne. Je pense qu'elle voudrait de tout ça. Caramel au chocolat. Ça va au poids. Lequel je vous donne? Ok. Non, ça c'est fait avec du lait. Et l'autre? Biscuits aux figues et biscuits aux dattes. Donc moi j'ai deux options, c'est ça? Ça ici, il y a des œufs là-dedans? Non, c'est pas aux dattes, sont végétaliens aussi. Ok. Tiens, un carré aux dattes. Mm-hmm. Ah, c'était ouvert, les délices bio. C'est la première fois qu'on achète quelque chose ici. Et moi, je me suis pris un petit carré aux dattes. Et Martha? Un gâteau portugais. Et? Et chocolat, caramel. Un caramel chocolat. Caramel chocolat. Donc, il y a des options véganes ici. Ça. Une chance? Parce que sinon, beaucoup de desserts sont faits avec des œufs. Pourtant, ce serait facile, au lieu de mettre des œufs, de mettre des graines de lin, tout simplement. C'est juste une autre sorte de liant. Faut changer sa pensée. Alors là, je pense que notre journée est pas mal terminée. Il est presque 4h30. On s'en va à la maison, on va relaxer, manger le petit dessert. Moi, je fais le vlog. Martha, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce temps. Elle va se reposer. Et après ça, moi, je pense qu'on va écouter un peu la télé. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Un film. Coco. Un film peut-être. Okay. Alors, merci d'être à l'écoute. Puis on se revoit dans le prochain vlog. Bye.